Le titre n'est pas actualisé. Si, si, il est actualisé. Ah non, je l'ai peut-être désactualisé. C'est tout à fait envisageable. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble, je l'avais actualisé. Mettre visage découverte. Ah, j'ai mis visage! AL144? Ça sert à quoi? Boum! En fait, je l'avais actualisé, mais quand j'ai lancé mon live, ça a mis l'autre. Je suis un connard. Et visage. Ok. Le son, je sais pas s'il est assez fort. Attendez là. Vous, c'est bon pour vous le son là? Moi, attendez. Moi, je peux l'augmenter comme ça. Moi, je peux décider. Moi, je décide. Bon, on dira au nom de la game. Quelqu'un sait si ça joue manette ou clavier souris? Et merci beaucoup Yann pour le Prime. Merci beaucoup mec, c'est gentil. Merci Calva pour les 9 mois. Je connais pas le jeu, mais énorme soutien multigaming. Merci beaucoup mec. Merci Boudia pour les 9 mois. Merci, merci beaucoup, c'est gentil ton message. Kawatsuna, merci beaucoup. Mercuzen, putain, mais j'ai raté trop de subs, je suis obligé d'alter, ça me pète les couilles. Xixen, non, Mercury, Xen, merci beaucoup pour les 15 mois. Bluknaki, 18 mois. Sonraya pour les 2 mois, merci beaucoup. Ça se joue à la manette, oui. Sinon, ça joue comment? Ça joue au clavier ou ça joue à la souris? Je joue à la manette, je joue au clavier, c'est pas grave. Bon, je joue au clavier, hein, vu que personne n'a décidé de me répondre normalement. Je vais regarder un peu s'il y a de la qualité. Qualité des ombres. Non mais frérot, enfin respecte-moi un minimum quand même, on va mettre élevé partout là. Bah, évidemment que c'est élevé frérot. Qualité de... De l'AVC? De l'AVC. C'est quoi l'AC? C'est Assassin's Creed? Mais frérot, il m'a pris pour un... Il m'a pris pour une merde ou quoi là? Mais frérot! Tu vas me synchroniser tout ça en mode pixel là? C'est bon là? Ah ouais, c'est des meilleures chaussures déjà là! Ah là là, c'est pas les chaussures de Skyheart là! Là on a step up au niveau des chaussures hein! Oh, elle est pas mal là! Écoutez, merci Frogigix pour les 13 mois, Gagou, merci beaucoup les 9 mois, Yuma pour le sub, à suppositoire, quel pseudo pour les 1 an, merci beaucoup. On part ou pas là? Global, commande. Commande, bon du coup j'imagine qu'il y a ATH, des actions complètes, sensibilité, je suis pas très sensible, ça va. Ok, ok. Contrôle des tiroirs. Contrôle des portes. Non mais attendez, il y a tellement peu de boutons que les boutons c'est tiroirs et portes? Non, je veux pas y croire là. Mais je joue quoi? Je joue la chaussure ou quoi là? Non mais allez frérot. Je joue la chaussure? Non, me dites pas que c'est un jeu de chaussures. Non mais là c'est possible en fait là. Vous avez... Y a que deux boutons, c'est tiroirs et portes. Global. Mais non mais attends, mais où est le jeu? J'étais dans les options. Panthéon, ça dépend, il est jungle ou top? La blague qui va coûter cher là, je suis où? Je regrette ma blague là. Je vais y aller moi. Hein. Je regrette ma blague là. C'est bon. C'est bon, j'ai regretté moi, c'est bon. Moi c'est bon, ma blague elle est regrettée là. C'est bon, on peut y aller. Vous pensez que c'est fait exprès là? Le bug sur visage là, c'est un peu genre ça dépasse. Genre comme si on était bourré, genre. Merci LR pour les. Ouais, c'est fait exprès, ok. Visage est difficile. Patience, minutieuse recherche et bonne gestion des ressources seront vos meilleurs alliés, bonne chance. Bah attends, mais c'est toutes mes qualités qu'il a citées dans un seul tweet. Ah non, mais là je suis chanceux là. Le son c'est bon pour vous ou pas? Vous êtes sûr, vous entendez un bébé là? Si vous entendez pas un bébé, je pète un câble. Hein. Je l'entends très faible le bébé par contre. Genre j'entends un vieux bruit au loin quoi. J'entends rien. Non mais moi non plus. Ah je sais pas, c'est peut-être pas un bébé, j'entends. Des fois j'entends. Un petit truc comme ça genre. Ok ok, bon nickel, le son est bon alors. Ok, les amis, vous savez que je maîtrise la AK-47 comme personne. Autant vous dire que moi et les armes, ça fait pas bonne figure.
Ok. Un cul. Ah non, c'est des genoux. Putain, what the fuck, ça commence mal. Oh, c'est elle qui fait du bruit comme ça. Oh, elle va me péter les couilles à faire du bruit tout le long. Hein. Eh, me dites pas que je me traballe une meuf tout le long là que je dois. Hein. C'est bon. Hein. J'ai déjà assez de problèmes avec moi-même. Hein. On va pas la faire à Resident Evil 4 là. Hein. Ouais, alors peut-être c'est moi le méchant, je vais lui tirer dessus peut-être. Ah, je peux rien faire les mecs. C'est une cinématique. Attends, mais il s'est pris pour Negan ou quoi là? Mais attendez, je joue le méchant. Ah bah elle fera moins de bruit déjà. Il va penta ce con. Ah non, le mec 3. Il s'est tué. Fin du jeu, pas mal. 9 sur 10, j'ai bien aimé le début. Un peu mou sur le mid-game, mais la fin en valait le détour. Bon, bah petite game de LOL. C'est moi, je rampe là. Oh putain, c'est à moi. On va stimuli. Gauche, ramasser. Oh putain, je t'ai pas encore dit. Gauche, ramasser. J'ai trouvé un truc de dingue. Les bougies sont des sources lumineuses fixes pouvant être allumées avec un briquet. Se déplacer avec à la main une bougie allumée, se déplacer avec à la main une bougie allumée l'éteindra. Elle dure longtemps et améliore la santé mentale de votre personnage. Donc là, t'es en train de me dire qu'il faut que je la place sur le... On est d'accord. Donc là, c'est un bait. Évidemment, ils veulent que je réponde au téléphone alors que je vais scouter évidemment toute la pièce. On le connaît. Ok. Tiroir numéro 1. Salle de progression. Cette salle contient les objets représentant votre progression dans le jeu. Ces objets sont collectés de différentes façons, dont à la fin d'un chapitre. Une fois récupérés, ils apparaissent automatiquement dans la salle de progression. C'est pas très roleplay ça. Ok, on peut se baisser. On peut se baisser. Bon bah écoutez, on peut courir. On peut pas courir, on peut sauter, non. Donc ça c'est ma vitesse de pointe là. Oh, on peut placer une bougie là, ok. Je peux pas ouvrir, on est d'accord. Hein. Ah si! Ok, my bad. Une technique. C'est très étrange. Je n'aime pas du tout. Oh! Oh là 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 là! Oh! Un trou! Ah non, c'est son oreille. Il y a absolument rien là. Je stimule un peu la pièce parce qu'on sait jamais, vous voyez, si je commence par pas stimuler, on va mal finir, mais... Par contre, c'est horrible d'ouvrir les portes, je vais péter un câble.
Celui qui a codé ça, il va... Enfin, c'est une merde. La pire ouverture de porte. Hein. Bon, écoutez, je vais répondre au téléphone. Le son me pète les couilles. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux recommencer la sauvegarde en vrai? En vrai les mecs, enfin je suis... J'ai quasiment rien fait genre. Allô? Hello Twain, it's Rose, your neighbor. Ah bah, bonne nouvelle. I know it's late. Oui. And I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house. Ok, je vais me faire foutre pour tout le reste là. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? Mais moi je all parle right. Français moi. Bye bye. Bye bye. Ça rajoute un peu de cachet au jeu, on comprend rien. J'ai entendu, je me sens un peu bizarre, il y avait pas les sous-titres là? D'accord, elle va me faire foutre. Bah, la boulette, non. De mon côté, là, c'est la boulette. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, pivoter. Ah, oh, c'est de la bière! Ça se tèche pas, en vrai, on est d'accord. Comment je la tèche? Ah, comment je la... Madame! Les mecs, je ne... Que c'est que cette merde? Les mecs, je suis Keblo avec une bouteille de bière, on va me prendre pour un alcoolique. Impossible de l'enlever. Clic droit, clic gauche, mais j'ai pas d'autres touches. Hein. Maintenir gauche, examiner. Maintenir droite, examiner. Bah, les mecs, c'est. Une technique. Oh le level! Non mais sérieux, enfin là j'étais. Non mais là j'étais pixel! Non mais c'est bon! Qu'est-ce que c'est que c'est? Bon c'est bon, ça m'a pété les couilles là. Mais en fait je ne peux plus jouer en fait. Parce que je ne peux plus examiner les trucs. Et mes amis, il y a un bug. Non mais là c'est bugué là. Là je suis bugué là. J'ai. Déplacer dans l'inventaire. Lâcher F. Oh là là, mais je vais rechanger toutes mes touches frérot là, c'est quoi cette merde? Changer de main. Changer de main, ouvrir l'inventaire. Ok. F5, sauvegarde rapide. Ok. Examiner, utiliser, zoomer, V. Ok. Ok, ok. Ok, je pense que l'aventure commence. C'est fermé. Ok, j'ai. Ça c'est. Ouais, j'éteins. Parce que comme ça, ça me fait économiser de la batterie. Verrouiller, objet requis, une clé avec un petit miroir attaché. Ok, une photo d'un tigre. Santé mentale. La santé mentale de votre personnage affectera le gameplay. Entre autres choses, rester trop longtemps dans le noir diminuera la santé mentale de votre personnage. La santé mentale de votre personnage est représentée par l'icône du cerveau en bas à gauche de l'écran. Si vous voyez le cerveau très nettement, la santé mentale de votre personnage est dangereusement blessée. Basse. Des événements dangereux surviendront. L'icône de nuage rouge apparaît lorsque vous vous trouvez dans une situation stressante. Ok, ok. Il est où mon cerveau là?
Pourquoi y'a pas le cerveau là? Open. Les événements paranormaux se produisent de manière aléatoire tout au long du jeu. Ta cam est au-dessus pour nous. Bah non, 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 j'ai pas de cerveau moi. Enfin, y'a pas de cerveau en bas à gauche. Les événements paranormaux se produisent de manière aléatoire tout au long du jeu. Apprenez à les identifier car ils entravent votre progression et réduisent considérablement votre santé mentale. Ah, donc dès que je vois ça, il faut que je fasse un dodge quoi. C'est ça? Ok, ok. Ça, c'est la même porte ça. Ah, si, pardon. Si, si, vous avez raison. Il y a une tache rouge. Ah, mais là, c'est pas un cerveau là. Y'a rien là pour l'instant là. Ah, si c'est ça, c'est bizarre, mais ok. Mais ces lumières puent la merde. Eh bah, on a qu'à sortir, non? Prendre cet objet lancera un chapitre. Bah... Chapitre de Rakan. Oh non! Oh mais c'est de la merde putain, faut que je fasse F clic gauche. Appareil pour cassette. Oh merde. Ok. Merci Belliam. It's my Eve. Merci les potes. Attends mais il fait noir là? Oh non, mon cerveau. Mon cerveau pète un câble. J'arrive pas à comprendre d'où vient le son. Mais il vient de là? Mais mec, le son vient du mur. C'est incroyable. Oh non, j'ai une tache rouge. Mais le jeu a l'air trop dur là. Les mecs, je vais péter un câble pour ouvrir les portes, c'est pas possible. Attends, y'avait pas un truc ouvrir les portes? Chargement rapide. Non, y'a pas. Comment ça, si? Ouverture facile? Merci Néveral, merci beaucoup. Je devrais mettre l'ouverture des portes en rapide et pas en avancé dans les paramètres. Ah ouais, ouais, je prends. Hein. Contrôle des tiroirs. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, avancez-moi tout, s'il vous plaît, là. Vas-y, ça fait quoi, là? Ah ouais, ça marche bien, ouais. Ah ouais, cool. Ah, il est cool. Ah, vous voulez que je mette enceinte? Mais j'étais déjà enceinte. Mais vous foutez de ma gueule. Ah, quoique, ça a l'air pas mal, ouais. Ok, vous avez raison. Ok, un point pour vous, un point pour moi. Ok, il y a un son, ou alors, à l'étage. Ah. Ah, on tient quelque chose, mesdames et messieurs. Un verre.
comprends. Et bah... Et si j'ai regardé du coup, je me rappelle même plus si j'ai regardé. J'ai bien scouté la zone là. Y'a pas grand chose hein. Alors c'est bizarre parce que quand je passe par ici, c'est l'écran se transforme un peu bizarrement là. Oh putain! Il existe deux types d'objets, les objets dynamiques et les objets clés. Les objets dynamiques sont placés dans votre inventaire dynamique, vous pouvez généralement vous en débarrasser. Les objets clés sont essentiels à votre progression et sont placés dans votre inventaire des objets clés. C'est la clé avec un petit miroir dessus? Ah non, sous-sol. Ok, je l'ai dans mon inventaire. Ok, ok. Et bah voilà! Il y a juste à aller au sous-sol et c'est bon. On va ouvrir ça. Qu'avons-nous là? Chaussures de Sky. Pas grand chose d'intéressant. Ok, il y a une radio ici. Ah bah nickel. Oh! Les ampoules peuvent servir à réparer les lampes et les lumières cassées. Ok. Ah tu veux que je le répare maintenant là? Bah je vais le mettre ici non? Eh bah connard! Il se fout de ma gueule! Ok. Eh bah tant pis. Je l'ai! Ta gueule! C'est d'ouvrir une porte là. J'ai d'autres problèmes dans la vie. Les briquets servent de petites sources lumineuses pour explorer la maison et ils durent peu de temps. Ils n'empêchent pas l'accumulation de stress. Reste dans le noir avec un briquet affectera. Ok, ok. Ah ouais, là je suis multitâche là. Je laisse au sol hein. Oh non! Attendez, je peux peut-être réparer ça là. Il y a peut-être un truc que j'ai pas capté là. Ça me paraissait logique, ouais. Mais je l'éteins par contre, hein. Oh merde, où est l'interrupteur? Voilà. On garde des économies, là. On va pas allumer pour rien. Ah non, non, non. Donc là, il y a le sous-sol, et là, j'ai ouvert, normalement. Et nous sommes dans la cuisine. J'ai toujours mon petit briquet, si jamais c'est la merde. On peut proc le briquet à tout moment. Alors, comment on allume le briquet, je sais pas. Comme ça. Hop. Hop, 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 hop. Ok. Ok, j'ai pas fait exprès. Ouais. Ouais, j'aime bien. Ok. Ok, il y a des Pac-Man. Attendez, ça me dit quelque chose. Oh putain, je viens de comprendre. Oh, le déclic dans la tête. Ah bah là, j'ai compris toute l'histoire en fait. Pour l'instant, j'avance bien, hein, je pense. Hein. Y'a un réel problème de chaussures. Hein. Ok, il était en train de faire les murs. Normal. Ah ouais, le sous-sol était un peu en travaux quoi. Le marteau? Non? Ça, oui, ça, bien sûr. Des bougies peuvent être placées ici. Où ça? J'ai pas la ref là. Ça? Non. Ça, c'est un truc pour savoir si c'est bien droit, non?
Des bougies peuvent être placées là-dessus. Pour l'instant, c'est un appartement, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Excusez-moi du... Oh là ! On va allumer son petit briquet par ici. Oh, pour l'instant, j'ai pas trop peur. Hein. C'est assez free. Évitez de rester trop longtemps dans l'obscurité. Mais je suis pas dans l'obscurité, j'ai un briquet déjà, donc ferme ta gueule. Ma tache est très rouge là. Hein. Hein? Hein? Qu'est-ce que? Ma tache? Ma tâche? On bouge, on bouge, on bouge. On va peut-être pas se cacher dans les chiottes, non? Eh ben voilà, ça va mieux là! Là, regarde, là, il y a de la lumière là. Regarde, loulou. Allez, le cerveau, il disparaît maintenant. Hein. Voilà, le cerveau, hein. Allez, on se casse, hein. Voilà. Ok, donc ça, c'est... Je vais aller aux chiottes s'il y a un problème, quoi. Voilà, regarde. Regarde comme ça se passe bien, là. Regarde, on est en pleine lumière. Voilà. T'es content? Un balai. C'est pas n'importe quel balai. C'est un Imbus 2000. Ok. Ok, ok, ok. Ça, j'ai allumé ça? Oui, j'ai allumé. Règle. Mettre les jouets à leur place. On s'en branle. Hein. Ça, c'est la jouet de l'enfant, je pense, du coup. Chambre du gosse. Pas du tout. Un truc que j'ai pas dû capter. Ça, c'est quoi, ça? Ça, je prends, hein. Ok. C'est très labyrinthique, hein. Pour l'instant, je ne sais pas... Et je prends des trucs, hein. Oh là là! Oh là! Pas ouf, ça, hein. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, on a tout allumé. Le cerveau devrait... J'ai pas la ref là, hein. J'ai pas la ref là, hein. Peut-être éteindre la télé, moi. C'est jamais, non. Ça change rien. Ça change rien, ok. On va juste avancer, alors. Mais je m'en branle. Kids, if you need something in the electric room, go ask dad in his office. On va mettre ça là, hein. Non mais je veux mettre, voilà ça. Et après je peux pas l'allumer? Non. Là c'est bien là, non? Verrouiller. Ah, pourquoi verrouiller, ça me fait penser à Véronique, mais ça n'a aucun rapport. Hein. Ok, c'est la chaudière. Oh, joli drop ça, Croco. Ok, aucun bruit suspect. C'est quoi ça? Petite pilule. Comprimé. Excellent, ça me... Ok, excellent, excellent. Ok. Et encore un peu de... Je sais plus c'est quoi. C'est quoi ce que je drop depuis tout à l'heure? C'est des clopes? Ah non, c'est des briquets, ok.
J'ai tellement de briquets là. Je peux double briquet les mecs. Je peux les éteindre en même temps normalement. Attends. Non mais attends, c'est bizarre, dès que je passe par ici c'est le zoo là. Non mais là cet endroit est à chier genre. Ok, ça c'est le congèle. Encore une lampe. Et des comprimés. Je suis en turbo dropping hein. Personne ne peut m'arrêter actuellement. J'ai full objet dynamique. Mes années d'expérience sur les Antiville qui font la diff là-dessus. Par rapport à quelqu'un de lambda. Regardez, regardez ce que je propose encore. Mon inventaire est plein, c'est open. On a un gros problème. Il faut que je remplisse... En fait, j'ai été trop vite pour le jeu. Ah, fait chier, je m'en doutais encore une fois. Toujours la même chose, mais bon. J'ai du mal à m'habituer que j'ai plus de level que la moyenne. Là, on va en mettre un là. Enfin, frérot, tu fais un effort, non? Voilà. Putain, j'en ai deux disponibles. C'est smart de mon côté là. Je l'ai perdu? Non. Bah on fait demi-tour non? Oh là là, là c'est bien noir là, mon cerveau il va bouger là. Faut que je me dépêche. Il est pas content. Se déplacer avec à la main une bougie l'éteindra. Mais je veux pas avoir une bougie dans la main moi. Oui, mais pourquoi elle est dans ma main en fait? Pourquoi elle est pas dans mon inventaire? Je vais mettre autre chose dans ma main si tu veux. T'as essayé de me péter les couilles. Votre briquet est presque vide. Ce n'est absolument pas grave, j'en ai plein. Hop! Là on place là. Tac. Et voilà le travail. Voilà, je remets un briquet. Tac. J'éteins celui-là parce qu'il est pas très bien. Il y a de la peinture fraîche sur le mur. Essayez d'enfoncer le mur. Oui. Ça veut dire quoi, enfoncer le mur? D'accord. Ça c'est pas normal dans une maison par contre hein. Ok, bon, on descend bien bas là quand même. Mais pour l'instant, ouais. Je prends pas trop l'objectif là. Ah! Ça, hein, on sait ce que c'est. Pointez l'arme vers votre tête, lâchez. Bah je peux pointer vers ma tête sans tirer, on est d'accord. Non mais sans tirer hein. Il n'y a pas écrit tirer, il y a écrit pointer hein. Attention hein, l'utilisation des mots hein. Attention hein, le jeu. À moins que, peut-être que je suis dans un rêve et ça me réveille, ou alors je meurs comme une merde.
Oh là, mon cerveau! Il est pas heureux, il est pas heureux là! On va voir la lumière, on va voir la lumière. On va voir la lumière, on va voir la lumière. Viens, 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 viens. On va voir la lumière là-bas, regarde. Regarde la lumière. Ah mais les mecs, je pense que la probabilité que je meure quand je tire était trop élevée, non? Je pensais que j'aurais dû tirer en vrai. Ouais, je suis en regret là. Je comprends pas le délire là. En fait, je vois pas en quoi ça me fait avancer dans l'histoire de me tirer une balle dans la tête. Il va juste me regarder en disant bah t'es con quoi. Le jeu va me dire ça, tu vois. 100% le jeu essaye de me prendre, tu vois, n'importe qui aurait tiré. Moi. Je suis la seule personne à pas avoir la curiosité de vouloir tirer en fait. Le jeu a le seum là. J'entends des gouttes de sel dans le. Chez le développeur là. Il a le seum. 95% des joueurs auraient tiré et moi je tire pas, ils ont le seum. Après, si je vois qu'il n'y a rien à faire dans le truc, je vais tirer, hein, mais. Le truc, c'est qu'en vrai, les mecs, honnêtement, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Hein. Ça aussi, je me dis ça, tu vois. J'ai allé là? Oui hein. Je suis totalement déjà allé là. Je venais d'ici. Une trappe? Sans branle? D'accord. Il y a un symbole étrange dessus, c'est verrouillé. Je pense que j'ai bien avancé là. Prendre tes pilules. Ouais. J'ai pas l'impression d'être en état si dramatique là. Je sens mon personnage, il est pas mauvais là, tu vois, il est bien. Oh, il y a l'étage. J'avais zappé ça. J'ai pas de. Je peux pas mettre ça, on est d'accord. Hein. Non. Hein. Ouais. Ah, mais non, mais l'étage c'est. Mais attendez, mais j'ai fait le tour du jeu là. Ça me dit rien, je suis jamais allé. Quoique. Si, si, mais bien sûr que si, je suis allé. Ok, on revient ici, ok, je commence à capter. Merci, Marex. En vrai, je suis plus dans la compréhension que dans le stress là. Ok. Ah, les mecs, je vais aller me tirer dessus, hein. Honnêtement, j'ai analysé toute la zone là. Y'a rien à faire en fait. Je vais me tirer une balle. Je vais me tirer une balle. C'est quoi le but du jeu? Bah, j'en ai aucune idée, mec. C'est bien le problème en fait. Là, je sais pas, mais là, je vais me tirer une balle dans la tête là. On va voir ce qui va se passer. Hein. Bah, si je meurs, my bad, tu vois, mais. C'est la seule interaction que j'ai avec le jeu en fait. Donc, on va l'utiliser quoi. Je voulais pas, hein, mais bon. J'ai rien trouvé d'autre à faire. Sauvegarde avant de tirer. Ah ouais, j'avoue. Vous avez raison. Je vais sauvegarder. On sait jamais. Attendez, faut que j'appuie sur quelle touche là. F. Quoi déjà sauvegarder? Hein?
Donc c'est quoi ce gars F5. Ok, on recommence. On recommence. Je vais tirer, hein. Tant pis, hein. En plus, il y a 6 balles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un monde où je survis, tu vois. C'est pas la roulette russe, quoi. Quelqu'un va m'arrêter. Ça va faire avancer l'histoire. J'ai avancé ou pas? Ça fait un chapitre? Oh! Ça va se faire. Ça va servir à rien, genre. C'est de la merde! Que ce jeu là, les mecs, ce jeu n'a pas de sens en fait. Lurking, tu cherches la clé du garage, elle est probablement dans le jean in the laundry room, comme toujours. Attends, laundry, ça veut dire quoi? Eh, je l'ai réparé cette lumière, alors elle va me faire le plaisir de s'allumer, hein. La buanderie. La buanderie, c'est le truc que j'ai dit que ça s'appelait la chaufferie? Ou ça a rien à voir? C'est impossible que je retrouve la buanderie. C'est impossible. Un endroit où il y a du linge. Bah ouais, ouais, parce que c'est dans. Faut que je trouve un endroit où il y a du linge. Généralement, une lingerie, ça se met en bas, quoi. Dans le garage. Là, tu vois, il y avait un peu lingerie, là, à gauche, là. C'était un peu buanderie de tir, là. Là, là. Non, non, pas du tout. Non, c'est pas là. Attends, mais je crois que je peux courir, en fait. Non, mais attends, je vais speedrun. C'est bon, le jeu est speedrun à partir de maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Bon, là, c'est mort. Là, c'est quoi le bail là? Verrouillé. Oh, mais j'ai sous-sol, j'ai. Ok, nouvelle pièce. Ok, ça ressemble pas du tout à une buanderie, c'est une catastrophe. Y'a quoi dedans? J'ai rien compris. Y'a pas des trucs à loot là? Clé du garage, encore? Ok, avec la clé du garage, j'ai deux endroits où je dois aller. Ok, on avance, on avance. Faut juste que je trouve la putain de buanderie, en fait. Buanderie. C'est pas ça, hein. Buanderie, c'est là où il y a du linge. Du linge. Mais non, là, je reviens sur mes pas, je crois. Je m'emmêle les pinceaux. Là? Non mais putain. La maison est trop grande. Ok, mais les mecs, c'est pas cet étage là en fait. Ah, quoique, il y a ici que je suis pas trop allé. Nouvel endroit. Enfin,
ancien endroit, mais je me rappelais plus que j'étais allé. Peut-être là. C'est là. Il y a un jean là, non? Ah non, c'était pas ça. Bah non, mais c'est open en fait. C'est... Je n'ai pas l'endroit du linge en fait. Ah non, mais c'est terminé. Non, mais j'ai bien réfléchi là, c'est bon. Il y a celui-là aussi. Need something in the electric. Go ask dad in the. C'est quoi, office upstairs? Office upstairs? Non, mais les mecs, y'a pas un jean ici, s'il vous plaît, respectez-moi là. Vous voyez un jean là? Oh putain. C'est quoi? Le bureau à l'étage. J'ai un truc, je crois que je l'ai activé. Non? Attends, mais je rêve pas là. Bureau à l'étage, ok. Il faut que je demande à mon père à l'étage. Donc là on va à l'étage. On va dans un endroit qui ressemble à un bureau. Et c'est Win en fait. Un endroit qui ressemble à un bureau. Hop, ça ressemble un peu à un bureau. C'est pas un vrai bureau quoi. Moi je voudrais un bureau. Un bureau comme ça. Alors, je vais éteindre sa merde. Bureau. Je peux le jeter lui? Vas-y, fais en sorte que je le tège. Comment je tège? F. Je m'en remets un. Bureau. Cuisine. Pas de bureau, putain, y'a pas de bureau. C'est une maison sans bureau. Y'a pas de bureau dans cette maison. C'est open. Oh! Oh! Le jean, s'il vous plaît. Non, si le jean n'est pas là, je mange mes couilles avec du beurre. Je veux analyser ce jean là. Donnez-moi une analyse s'il vous plaît. Il y a des clés là-dedans. Non, c'est pas possible. Je me fais pranker là. Les mecs, ça ne peut pas être autre part qu'ici. On est d'accord que c'est ici. Qu'est-ce que c'est que cette merde avec les lumières là? Attends, c'était pas allumé là la buanderie là? Le briquet est vide. D'accord, donc quand le briquet est vide, il fait quand même de la lumière. C'est ce que vous êtes en train de me dire là. Là, mon briquet gauche est vide là. C'est pas un prank. Hein. Regardez, mon briquet gauche est vide, mais il fait de la lumière. Ok. Je comprends pas. Attends, mais tout à l'heure, non mais attendez, il y a une lumière dans cette buanderie, c'est pas possible. Hein? Il y a pas de lumière. Ah. Voilà, j'étais pas fou. Bon, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je n'arrive pas? Est-ce que je dois faire une touche précise pour le jean? Ça ne peut être que là. Le jean dans la buanderie. Dans le panier peut-être. Y'a un jean dans le panier? Rien du tout. Je vais pas allumer la buanderie pendant 20 minutes. Hein. Ça va. Je suis en train de me faire pranked là, c'est pas possible. Non,
Non mais là les mecs, enfin... Vous comprenez bien qu'il y a un problème en fait. Est-ce que vous arrivez à comprendre que c'est ici la suite de l'aventure hein? Le djinn dans la buanderie genre. Je peux pas faire mieux en fait, je suis dans une buanderie, il y a un djinn. Bah, c'est open en fait. J'ai les mains pleines. Je pense pas que ce soit le problème. Attends, vous ne pouvez pas. Attends quoi? Le briquet est vide. Vas-y, je lâche le briquet. Ok, j'ai plus les mains pleines. Passe-toi. Maintenir, prendre. Et prendre quoi? La porte? Oui. Je fais quoi? Je go next? Les mecs, le problème c'est que si je ne trouve pas J'ai quoi d'autre comme aide? J'ai un truc au bureau, c'est ça? Ouais, il me reste le bureau à chercher, quoi. À la limite. Mais ça se trouve, je vais mettre 2 heures à chercher un bureau, quoi. Mais je suis déjà monté? Mais je suis jamais monté en fait. Mais je suis jamais monté moi. Il y a peut-être le bureau. Hein. Oh merde! Moi j'ai mangé des trucs sans faire exprès. Oh putain, il y a du linge. Ouais mais non, c'est pas une buanderie ça. Ouais. Pour l'instant, y'a rien de... Hein de broken quoi. C'est plus la merde qu'autre chose. Hein. Encore une porte. Attends, je viens de là moi non? Il me reste une porte là, une porte là, une porte là. Alors ça mon pote, si c'est pas un bureau, mais alors... Non mais c'est trop, je vais péter un câble. Oh let's go, let's go, let's go, let's go. Ok, ok, on est pas mal, on est pas mal. J'avance. J'ai pris quoi là? Ah cool! Je vais en faire quoi? Rien? Ouais. On va la lâcher hein. Ok donc là j'ai... comment elle s'appelle la clé? La clé de l'électricité quoi. Je suis à fond au niveau lumière là? Peut-être une lumière ici, non? Ok. Ok, ici rien, et ici je peux pas descendre. Je vais quand même finir tout le haut, pour bien essayer de me remémorer toutes les pièces. Ok, chambre du gosse, on va l'appeler. Sarah... And dad. Oh mon dieu. C'est immonde. Il y a une autre porte ici.
beaucoup de portes quand même pour une maison. Là, c'est la chambre des parents, hein, je vais dire. On va prendre les comprimés là ? Votre inventaire est plein, mais il est plein de trucs inutiles. Là. Je prends une boîte de comprimés. Hein. Hop. On mange bien là. Dès qu'il me dit qu'elle est vide. Elle est vide là ? La bouteille est vide. F. Je prends celle-là. Bon, je suis broken. Quoi ? Oh non. Pourquoi je ne me vois pas ? Je n'arrive plus à allumer le briquet. Vas-y, je descends. Hein. Au pire, je mets. Attends, là. Mais non, mais attends, les mecs, les lampes, j'ai pas compris où je devais les mettre en fait. Là-dessus. Non. J'ai pas compris pour les lampes là. Là-dessus ? Ah, là-dessus, apparemment. Ah non, aucun rapport. Ah, c'est quand elles sont cassées en fait. Ok. Non, mais le truc, c'est que là, elles me prennent deux slots en fait. Eh, je vous aime bien les lampes, mais... Deux slots, hein. Ok, si ma mémoire est intacte, c'est là et à gauche. Ok, je suis complètement paumé. Non mais attendez, c'est pas possible. Non, c'est là et à gauche. Non. Là et... On a un problème. Je vais plus être capable de revenir à l'endroit où il faut revenir. J'étais persuadé que c'était là. Non, c'était plus bas et après à gauche, je crois. Non mais stop, stop, stop. La merde là. Laisse-moi descendre. Le briquet est vide. Ah bah bon, on va régler le problème. J'en ai vu un autre en haut. Je donne ce briquet. Là. Non, non, y a pas de bruit. Tu fermes ta gueule. Ok, c'est là. Non, c'est pas là, c'est pas là. C'est là à gauche. C'est là. C'est pas là du tout. Où vais-je ? C'est là, c'est là, c'est là. Clé du garage, je l'ai, hein. Non ? Ah non, c'est pas le garage en fait. Attends, j'ai la clé de quoi là ? Bah non mais le truc c'est que j'ai des clés mais je retrouverai jamais la porte que je dois ouvrir en fait. Les objets dynamiques ils sont sur... Ah ! Attends. Là-dedans ? Ok, faut que je retienne cette pièce, je crois. Et mec, c'est chaud là. Hein. En fait, je suis paumé en fait. J'ai récupéré une nouvelle clé, donc je suis assez fier, mais... Impossible de savoir. Si, je sais où c'est. 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 Je sais où je dois aller. Il faut que je m'en rappelle. Je me rappelle, je me rappelle. J'ai eu un. Comme, j'ai eu un flash. C'est là-bas. Tout droit. Derrière la télé. Je suis un monstre. C'est, je l'ai.
Non mais non, tu fermes ta gueule. Je l'ai en fait. J'ai eu un déclic. Je peux pas prendre les trucs hein. Là regardez, il y en a deux. Je peux rien faire là, on est d'accord. Regardez tout ce qu'il y a à drop. Je vais péter une durite. Non là faut m'aider là. C'est pas possible là, je ne peux pas loot tout là. Il y a une bougie, 40 trucs je peux plus. Souviens-toi de la pièce. Ouais. Merde, c'était en haut ou en bas quand je suis arrivé? Ah mais j'ai cliqué sans faire exprès moi. Bah je dirais que c'est comme ça. Ça me change quoi ma vie en fait? Drink, D-ring room 6, 11. Je suis même pas sûr d'avoir fait la diff. Bah là je suis paumé hein. Ouais les mecs je ne peux pas partir en fait. Il faut que je comprenne cette pièce. Qu'est-ce que... À quoi ça m'avance d'avoir monté ça? J'ai augmenté un disjoncteur. En fait, les écriteaux, on s'en branle. Il y en a 50 000. Donc, les écriteaux, on s'en branle. Ou juste, c'était comme ça. Et j'ai augmenté le courant. J'ai mis le courant, quoi. En gros. En gros, très rapidement, j'ai mis le courant, quoi. Le truc, c'est en quoi mettre le courant va m'aider dans ma quête. Il va absolument pas m'aider en fait. J'en ai rien à foutre d'avoir mis le courant. Mais ça me sert à rien. Je veux sortir. Nice. Je comprends pas en fait. Il y a une trappe derrière toi. Attends, mais je comprends pas le but du jeu en fait. C'est... En fait, ça fait pas peur, mais là, c'est un peu oppressant quoi.
Ah, genre ça? Non. Ta gueule. Ta gueule. Je suis totalement hardstuck en fait. À l'autre côté, qui ne serait pas hardstuck en fait? Ben. C'est du cap, mais... Ils disent faut être minutieux, mais il y a des limites quand même. T'as vu la taille de la baraque? Je suis quelqu'un de minutieux en plus, hein. Mais bon, là, c'est une grande maison quand même, hein. Avec très peu d'informations, quoi. À la machine à laver, mais y a rien à la machine, les mecs. Hein. J'étais déjà allé tout à l'heure. Hein. La machine à laver, c'est Go Next, hein, je pense. Hein. Mais en fait, là, je ne sais même pas où je dois aller. En fait. Ah, bah, c'est là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à la machine à laver? La lumière aura rien changé à ça. Hein. Attends, mais vous êtes vraiment en train de parler d'une trappe dans le couloir là? Mais c'est quoi ce délire là? C'est un problème de trappe, hein. J'ai pas trop scouté la cuisine, c'est vrai. Mais bon, d'un autre côté... Hein? C'est qu'une cuisine. Oh, eh oh! M'a fermé à la... Non, tu fermes ta gueule. Hop. J'ai cru que tu t'étais allumé. Ok, encore un briquet vide, next. Bah j'ai plus de briquet en fait. Il me reste un. Après j'ai l'endroit où je dois aller loot des briquets là. Donc c'est quoi votre histoire de trappe là? Sérieusement là. Votre santé mentale diminue rapidement. Non non mais regarde, il va prendre quelques cachets, ça va bien se passer. Allez mange ça. Mange ça, c'est bien. Les mecs, enfin vous êtes ravagés, il n'y a pas de trappe en fait. La poignée est hors d'atteinte. Open. C'est open. Faudrait un escabeau quoi. Mais là vous pensez pas que je suis que je devrais chercher un jean là. Là vous pensez c'est pas le bon call là. Prends des comprimés, prends des comprimés. La bouteille est vide. Non mais les mecs, j'ai plus rien à faire en hauteur là. Faut que j'arrête d'être en hauteur là, j'en peux plus là.
Il y a un problème d'indication dans le jeu, non? J'ai raté une étape ou... Ou je vais me faire foutre dans l'entièreté du jeu en fait? Parce que là c'est quand même bizarre là. Là on se retrouve à la buanderie. A mon avis c'est en bas. Hein. C'est en bas que j'ai dû rater des trucs là. Parce qu'en fait à part en bas je vois pas de... Bon bah là on va pas y retourner hein. On est d'accord. Là, je me rappelle plus trop cet endroit. Ah, je peux pas utiliser la lumière. Ah ouais, il est cool. On va aller prendre le loot hein. En fait faut me dire le chat. Qu'est-ce que ça change en fait? À quoi ça sert? À rien. À rien vu que tu n'allumes jamais les lumières et que tu gaspilles toujours les briquets. Ah. Et je ne comprends pas cette pièce d'ailleurs. Ils m'ont dit qu'ils mettaient des trucs dans cette pièce, mais... Votre inventaire dynamique est plein. Et quel rapport? Je comprends pas en fait. Je peux le poser? Les mecs, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette pièce? C'est... Quelqu'un peut m'expliquer cette merde? Prends le tabouret. Mais là, je ne peux pas prendre là. Pourquoi il m'écrit mon inventaire dynamique est plein quand je clique là-dessus? Ça n'a aucun sens, genre. Je vais pas prendre un tabouret, genre. Vas-y, je jarte un truc qui me sert à rien, genre la lampe.
Attends, faut que j'aille où là? C'est là? Monsieur? Si c'est pas là, c'est pas logique en fait. Je comprends pas le jeu là. Je n'arrive pas à être dans le cerveau du jeu en fait. Pose et monte. Oui, bien sûr. Oui. Bah, je suis en train de le faire là. On voit bien que je monte dessus déjà. On sent vraiment la différence au niveau du joueur. Les mecs, en fait, il y a tellement peu d'indications que tu te demandes vraiment ce qui se passe en fait. Genre là le tabouret, comment vous voulez que je sache comment on s'en sort en fait? Ça m'a pété les couilles. Honnêtement, je ne vois pas quoi faire avec ce tabouret. En sachant qu'en plus, on ne peut pas monter dessus en soi. On est d'accord, on ne peut pas monter dessus. Je suis pas en train de monter là. Donc mon objet me sert pas à monter. La clé est dans le jean de la buanderie. Ah ouais. Moi j'avais regardé tout à l'heure. Ouais. Peut-être qu'avec le tabouret je peux aller chercher la clé. Hein. Genre peut-être que le jean il est en hauteur. Hein. Si je mets le tabouret à laver. T'en dégage. Je vais foutre le feu. Hein. Les mecs, c'est... C'est de la merde, hein. Et je peux pas prendre le tabouret parce que j'ai le... Ah, le jeu est en train de me trigger, là. Avec son système de deux mains à chier. Attends. Attends, mais frérot. Tu peux aller dans l'inventaire ou pas? Ok.
Non, arrêtez de dire, fais un effort, mec. Il y a un problème avec le jeu, là, c'est pas moi, là. Je sais, tu vois, dans des jeux, mais là, vous rendez compte ou quoi? Clic droit pour placer. Il y avait écrit clic droit pour placer? Non, non, c'est pas. Il n'y a pas clic droit pour placer. Hein. Enfin, je peux le remuer comme ça, et après, je peux le lâcher. Mais ça sert à rien, en fait! Dans le garage pour aller dans le grenier. Oui d'accord, sauf que le garage il y a écrit là. Ok d'accord, donc si tu veux. Et cette putain de clé dans le jean là, on peut en parler ou... Il est où mon tabouret? Ok, je vais mettre mon tabouret ici, ok. Donc on en revient aux clés dans le jean, dans la buanderie. Ouais. Bien ce qu'il me semblait. À moins que je doive enlever un item. C'est non. À moins que ceci n'ait pas une buanderie. Dans ce cas-là, my bad. Je crois que le message sur la porte où il te disait ça fallait. Il te disait ça fallait récupérer pour te débloquer l'accès au djinn. Non, j'ai rien compris là. Le mec, c'est le pire jeu de l'histoire en fait que je suis en train de subir. Je suis en train de subir un jeu là. Les mecs, enfin, le jeu est à chier en fait. Non, mais honnêtement là. Pas bête le fait. Vous voulez vraiment que je retourne au storage là? Le tabouret est maintenant placé dans la pièce de stockage. D'accord, parce que je l'ai abandonné 10 secondes, c'est ça? T'as eu peur que je le perde. Ça, c'est cool. Le problème c'est que la maison est tellement grande que je vais mettre 3h30 à chercher le storage en fait. Et c'est pas du troll hein. Voilà. En storage c'est où ça? C'est pas à l'étage en fait. Que là, c'est en train de me prendre la tête. Alors, comme il faut, là. Pire jeu de l'année. Il faut les deux mains libres pour le jean. Mais non, mais c'est impossible que ce soit ça, mec. Si c'est ça, je désinstalle le jeu, en fait. Et je me fais rembourser Steam. Donc je vais même pas essayer pour le bien du jeu, je vais même pas essayer. Non, c'est là storage, non? Putain, mais c'est là. Non, c'est pas là. Attends, storage. Non, c'est pas là. C'est pas par ici en fait, c'est. La maison n'a aucun sens en fait, elle est pas faite de la bonne façon. En fait, la maison est à chier en fait déjà. Ok, donc là il m'a remis le truc là. Et il m'a remis le tabouret quoi. Le briquet est vide apparemment.
Pourquoi je l'ai lâché? J'aimerais juste le ranger. En fait, des fois, enfin, ranger, c'est... Oh, les man... Non, mais embête les touches! Oh! Attends, j'ai réussi, là? Ou je l'étège? Non, je l'étège, en fait. Le designer qu'il ose écrire dans mon chat Twitch, vraiment. En tant qu'ancien designer, qu'il ose écrire dans mon chat Twitch. Il te faut la pancarte qu'il y avait sur la porte te disant d'aller chercher dans le jean. Si tu ne ramasses pas la pancarte, bah malheureusement ça active pas la mission pour récupérer la clé. Non, tu parles pas du truc Non mais non, c'était ça. Non, c'était... Mais je sais plus où c'était en fait. Non, c'était pas celui-là. Attends, je vérifie ton dire parce qu'il a l'air pas mal quand même. Mais alors, impossible de me rappeler où c'est que j'ai lu le truc du jean. Attends, c'était un truc avec date, non? C'était sur une porte? Oh, je sais plus, putain. Pas par là? Non. Dans le couloir où t'as réparé la lumière. Bah ouais, c'est là, non? Où c'est que j'ai lu ça? J'ai lu ça déjà, c'est par ici hein. C'est là. C'est là. Et pourquoi il l'a pas pris tout à l'heure quand je l'ai lu? Non, j'ai une vraie question là. Parce que tout à l'heure je l'ai lu cette note en fait. J'ai fait pareil. Tu l'as lu sans la prendre? Ah, donc là vous êtes en train de me dire que le jeu a fait en sorte que si je n'appuie pas là-dessus, je ne puisse pas trouver les clés moi-même dans le jean là. Parce que c'est cringe en vrai. En termes de game design, c'est cringe. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais. C'est pas normal. Genre c'est mal fait, tu vois. C'est un anti-smurf. J'ai été trop rapide pour le jeu. Par contre, cette maison... De toute façon, cette maison est mal game design. À partir du moment où on n'arrive pas à se repérer... Et pourtant, je suis pas une chiasse en... Mais c'est impossible de se repérer, en vrai. Attends, mais c'est... Je dois aller où, là? C'est même pas ici. Elle est horrible, cette maison. En fait, le truc, c'est qu'ils ont mis les pièces à la suite sans aucun sens direct entre chaque pièce. C'est ça, leur problème. Ça sent le bœuf bourguignon chez moi. Je comprends pas, là. Regardez le temps que je mets pour trouver l'endroit, genre. Je me rappelle plus si à la suite de ça, il y a une fin ou... Ah, il y a ici aussi avec la clé du garage. Faudra retenir que ici, c'est... Attends, c'est où ici?
à côté du truc, rez-de-chaussée, mes couilles. Ok, mes couilles, clé du garage. Ok, pièce numéro... storage, je m'en branle, ta mère connard, storage de merde. C'est pas là, hein. Nickel. Attendez, faut que je réfléchisse là. C'est pas là. Faut encore que je descende là ou que je monte? Je monte? Non, j'ai pas envie de monter moi. Si je monte, je reviens ici et ici, c'est pas ici. Je suis quasiment sûr que. La buanderie est au sous-sol. Je vais péter un câble. Les mecs, enfin. Non, non, le pire, c'est que j'ai un bon sens de l'orientation. Vraiment. Je troll zéro. D'ailleurs, je viens de me rappeler que c'était là à droite normalement. En haut, hein. C'est là. C'est pas là? Bah oui, fais-moi une animation, petite merde! Ah, ils sont cool, ils font l'animation dans le noir parce que j'ai pas allumé les briquets. Ça leur fait moins de travail de production chez l'entreprise. Didier, tu m'animes tout ça en noir parce qu'il a pas mis les briquets, comme ça on fait semblant qu'il y a pas de... Ça fait peur, t'inquiète. Pire jeu. Ok, clé du garage. Je me suis rappelé les deux pièces. J'ai fait un travail sur moi-même de longue haleine. La première est là-bas. Ok. Wouh. Je l'ai, connard. Tu pouvais pas faire un truc automatique, peut-être? Pour prendre la note, faut que je clique. Et quand j'ai l'objet dans mes clés... Comment ça, je peux pas l'utiliser? Oh, il a pas honte, hein. Oh, il a pas honte, il a codé ça, il a pas eu honte, hein. Il l'a mis sur Steam, hein, il a osé, hein. Ses potes lui ont dit non, le mets pas sur Steam, en vrai, on y a joué entre midi et deux, t'es pas obligé, tu vois. C'est un bon petit projet. Non, mets le pas sur Steam. Non, le mets pas à 30€, non. Non, fais pas ça quand même. Il l'a fait, hein. Ok, je sais pas, mon cerveau devient rouge. Je sais pas ce qu'il a. On enchaîne les loots qui servent à rien. Hein? D'accord. Allez, si tu veux. J'ai un autre endroit avec la clé du garage. C'est... C'est quoi cette porte là?
J'ai un autre endroit avec la clé du garage. Là, c'est la clé miroir. Alors attendez, parce que j'ai fait des études supérieures pour me rappeler l'endroit. C'est au sous-sol. C'est au sous-sol, pas loin d'ici. C'est ça que je me suis donné comme note. Je crois que c'est bien là. Et si je me tire dessus, il fait quoi avec cette porte? Il la remet comme avant? Les mecs, c'est compliqué. Hein. À la limite, là, je, bah, du coup, je suis officiellement hors stock parce que les deux trucs que j'ai fait avec la clé du garage m'ont encore une fois rien apporté. Hein. C'est un fait. Donc j'ai deux trucs qui peuvent me rester à faire. Revisionner le garage pour voir si j'ai pas manqué des éléments dans le garage. Aller au storage pour voir s'ils m'ont rajouté un objet. Le truc, c'est qu'aller au storage, ça va me prendre une demi-heure parce que je sais plus où c'est. Je sais même plus si c'est en bas ou en haut, storage en fait. Merci Kiwi, merci beaucoup. Kaneko, Kusakadura, Kilok, Mamaj, Nake, Exa. Le jeu est censé faire peur. Bah à la base, c'est censé faire peur, mais tu te pètes tellement un cap dans le jeu que tu n'as plus. Enfin, tu n'as plus. Il n'y a plus de place pour la peur en fait. J'ai actuellement mon cerveau en train de fumer en fait. À chercher où est storage, tu vois là. Non mais là, storage, ça va me prendre une demi-heure, là. Fais un plan sur papier, on va économiser 20 heures de gameplay. En vrai, ça se tient, hein. En vrai, ça se tient, hein. Ah bah, elle est là. Attends, comment je pourrais retenir? Attendez, je vais essayer de retenir mon storage le plus facilement possible. Ok? Storage est actuellement... C'est les escaliers d'où ça? Ok, donc cette pièce-là, je la retiens bien, c'est la pièce centrale. Donc storage, c'est je descends. Je vais tout droit, à droite, et là. Ok. Ok, donc il n'y a rien dans storage là. S'il n'y a rien dans storage, je retourne dans le garage. Je vais me faire foutre. Pas de nouvel objet. Allez, on va dans le garage. Le garage qui est en haut. En haut, là, à gauche, au fond, en bas. Bah, il y a deux endroits pour aller dans le garage qui sont complètement à l'opposé, hein, mais c'est ça qui est bien. Et on va essayer de reloot. De merde. Ah. Interagir. Deux. Attends, j'ai deux trucs dans la main parce que vu que j'ai deux trucs dans la main, il y a un monde où le jeu est bloqué.
Je vais y aller avec une ampoule. Enfin, je vais enlever une ampoule. Attends, je vais essayer d'enlever une ampoule, attendez. Je vais l'attacher. Vous voyez quelque chose à faire là? Ouais, le bouton pour interagir, c'est le même que d'allumer et d'éteindre son briquet. Le pare-soleil. Alors c'était smart, mais... Tu vas te faire foutre. Comme beaucoup de personnes qui ont fait ce jeu. La boîte à gants, non, la boîte à gants, on va se refoutre aussi. Et bah c'était une bien belle voiture, hein. Pour la voiture, vous êtes bon? C'est bon? On peut bouger? Vous considérez que j'ai fait mon travail? En sachant qu'on est rentré dedans et que ça ne servait à rien, donc c'est quand même pas bon signe. Porte arrière. Porte arrière? Est-ce que je peux vraiment l'ouvrir cette porte arrière? Juste me faire foutre, hein. Putain, je me suis reposé comme une merde. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Ça, je peux... Ah bah attends, c'est pas mal ça, en vrai. Ça, je peux pas le prendre, ça. Ah, l'ampoule, je la laisse, hein. Oh, quoique, j'ai une place, mais j'arrive pas à comprendre dans quoi je dois les mettre. Y'a rien qui se cache dans la maison, genre. Attends, mais cette porte, elle vient d'où? Ah, je viens de comprendre un truc, là. C'était pas la même chose, en fait. Après, pour ma gouverne, c'est pas très logique, quoi. Enfin, je veux dire, l'architecte de la maison se fout de la gueule. Se fout de la gueule du monde. Y'a rien, là, on est d'accord, hein. Bah, je suis hardstock, là, on est d'accord, là, le chat, là. Once again, hein. Vos mains sont pleines. Et ben on va tâcher une petite loupe.
What? Qu'est-ce que c'est que ça? Et Rico, drink? Drink quoi? Molle? Mi? Pourquoi il me le met dans mon dans mes objets? Et j'arrive plus à le mettre dans mes objets. Quoi, moi? Oui, d'accord, mais. Non, parce que là, mon perso il devient fou là. Comment j'ai fait pour le foutre? Ah, bah non, mais j'avais un autre truc, ça. Ok. Vous pensez que c'est important? Ça semble fonctionner. Et bah tant mieux! L'appareil peut lire les cassettes vidéo. La télé pète les couilles. Putain! J'ai pris des trucs sans faire exprès. Pourquoi ma vision est... Oh qu'il est moche. Oh. Attends, je peux pas tourner Vous pensez que je dois retenir ça ou pas? Mais quoi le chat? Pourquoi il pétait un câble? La chaise? Attends, mais quand on s'est tiré une balle dans la tête, il a pas montré des endroits peut-être où je devais aller au final? Il me semble qu'il a montré la chaise. J'ai un problème de vision là, j'ai un effet Canal Plus là. Oula! Je suis stuck, il y a un mur. J'adore ouvrir les portes à la vitesse de la lenteur. Ah bah il est plus là. Je comprends pourquoi ils ont pas voulu faire de jambes à notre personnage en fait. What the fuck is this? Oh, it better not be what I think it is. Bastards. What is this? Who the fuck are you? Ok, je pense qu'on est en train de. Je sais pas, de visionner un truc parce qu'il y a un effet cassette quoi, mais. Je sais pas si j'ai retenu grand chose là pour l'instant. Je vais juste continuer.
Là, je vais le revoir dans un autre endroit, je pense. Ah non. Slimy little fox. How did they come here and put all these things? I need to find every last one of them. Okay, where would I put them? Is this? There you are, little piece of crap. You think you can get me that easily, huh? Nice try, you fox. Ah non. What the fuck do you want, huh? I'm right here. Those little fucks. You think you can find me? Oh, whoa, whoa, whoa! Il est parti par là, non? Ah non, non, là on est dans la garage. Ok, mais en fait je reconnais un peu l'appartement, mais il a un peu changé en vrai. Don't you fucking move, I swear to God! Parle pas à moi là. Stop right there! What? Ah non, c'est pas moi. Stop! No! Please! Leave me alone! Ah ouais. J'ai pas très envie de le rencontrer, le meuble là. Attendez, je vais juste regarder si j'ai s'il y a un truc qui s'est mis sur les chandelles là. Rien du tout hein. Je vais juste me faire foutre hein. Bah je suis de nouveau Arstock. Once again. Le garage igno, on s'en branle. Je vais aller au storage. Peut-être qu'ils m'ont rajouté un élément. À moins qu'ils aient changé des trucs. Y'a plus le fauteuil. Ah non, attends, au pire, je me retire une balle. Hein. Les mecs, je me retire une balle, j'ai un nouvel endroit où aller. Hein. Je suis un fou moi. Moi je suis un dingue hein. Attendez, je vais au storage vite fait. On a dit là et là c'était droite hein. La facilité à aller dans storage est vraiment plaisante. Il y a toujours cette histoire de tabouret. Et tabouret qui me sert à rien pour l'instant. Je vais me suicider moi un petit coup là. Ça me fait du bien là. Ça me détend en plus. Un petit suicide et hop, on repart comme à l'an 40. Attends, c'est où qu'on meurt là? C'est là à gauche non? Voilà. Nickel. Allez. M'en branle. Mettre une petite balle, moi. On va se mettre une petite balle là pour essayer de comprendre des trucs. Quel endroit il veut que j'aille. Si, c'est ça, hein. Ah merde! Imaginez, à chaque fois je perds une balle, ça veut dire que je peux pas tricher trop de fois. Ou j'ai intérêt à bien retenir les images alors. Ah merde! De toute façon, on peut cheater que 6 fois quoi. Ah, ça me met pas bien ça. Parce que la première fois, elle m'a servi à rien quoi, je l'ai rundown. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un monde aussi où il y a la balle, elle part pas. Hein. Et moi, je veux qu'elle parte, je veux mourir moi. Ok, donne-moi des infos là. Entrée. Pas très bien. C'est pas ouf quoi.
Bon, j'ai retenu l'entrée, il y avait l'étage... C'était pas ça tout à l'heure, hein. Bah non, déjà tout à l'heure, dans tous les cas, il y avait le... Il y avait le fauteuil, déjà. Bon, déjà, il y a un truc à l'entrée, si j'ai bien compris le jeu. Donc à l'entrée, lâchez-moi une dinguerie, please. Maintenant, là. Là, il y a une dinguerie par ici, là. Je vais enlever un objet. Alors, on va scout, hein. On va scout à la recherche d'une dinguerie, d'accord? Ça va bien se passer. Ça peut être différents types de dingueries, en sachant que eux, ce qu'ils nous ont mis comme écran, c'était ça. Bon, là, il n'y a rien. Là, il y a des trucs. L'horloge. Ou alors il me donnait un chemin, genre. Parce qu'il me disait peut-être aller en haut. Ensuite, il m'a mis un screen qui ressemblait un peu à ici, tu vois. Il y avait un screen qui ressemblait peut-être un peu à ça. Hein. Ah! Ah! Ok. Il y a toujours cette histoire de tabouret, mais... L'œil sur le tableau. Bah, j'ai vu, les frères. Ah, vous êtes sérieux, quoi? Vous foutez de ma gueule, là. Ah, vous parlez de ça? What the fuck? Oh! Bah, je me mets dedans! Je me fais plus prank, hein. Ok, je suis en train de speedrun le jeu là. Donc là, normalement, j'ai un flash. Je vais remettre les mains sur le clavier quand même. Dr. Smith? Sorry, I'm with you. I have the information you requested concerning the patient that came in tonight. He claims that someone broke into his house and tried to strangle him, and that he used his firearm in an attempt to defend himself. What's weird is that there's nothing in the police report that indicates any break-in. There are some minor bruises on his body, but they also self-inflicted. The police also interrogated the neighbor who called the police. She claims to have seen him tossing books from his bookshelves frantically, seemingly searching for something. And what was he searching for? It's hard to tell. He refuses to answer most of our questions, claiming we already know the answers. He believes we're partly responsible for what happened. It's not really surprising. I took a look at his medical background, and he's had really bad cases of scopophobia. Thanks, Tim. I'll go and see him right away. Of course. Il parle d'un patient bizarre. 323 until further notice. He seems agitated. So be careful. Thanks, Tim. Duly noted. Parler d'un patient, quoi. Je vais regarder les sous-titres. Ah bon, c'est totalement téléporté là, par contre. Un patient atteint de paranoïa. Ok, ok. Bah écoutez, mais elle coule pas pour ça, hein.
D'un autre côté, généralement, c'est dans audio et pas dans global. Voilà. Voilà, voilà. Oh non, mais me dites pas que c'est labyrinthique, je vous en conjure.